Moussa Aliou Faye, je suis le directeur régional de l'UICN pour l'Afrique centrale et occidentale. L'objet de notre présence ici à Lomé, au Togo, est de participer à la troisième session du comité de pilotage du projet de gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin. C'est un projet financé par l'Union européenne, mis en œuvre par l'UICN et un collectif de 5 autres partenaires et qui a mis en place un comité de pilotage qui se réunit tous les ans et celui-là est le 3e de juin. Le comité de pilotage, c'est le moment pour lequel le projet présente ses résultats aux membres du projet. Ces membres sont la CDAO, l'UEMOA et les différents pays que sont le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, le Togo et le Bénin. Chers participants, je voudrais exprimer au nom de l'UICN nos sincères remerciements d'abord à la République du Togo qui a bien voulu nous accueillir ici. Je voudrais également saisir l'occasion pour exprimer encore une fois nos remerciements au nom de vous tous, mais aussi au nom des pays bénéficiaires, exprimer nos sincères remerciements à la délégation de l'Union européenne qui apporte le soutien financier nécessaire à la mise en œuvre du projet, mais qui, au-delà du soutien financier, apporte un soutien technique. Ce comité de pilotage se réunit pour la troisième fois avec une spécificité. Ayant appris des leçons passées, nous avons compris que pour que le comité de pilotage joue pleinement son rôle en matière d'orientation, en matière d'approbation, guidance et en matière de contrôle de la conformité des activités du projet avec les stratégies régionales, mais également avec les priorités nationales. Compte tenu de tout cela, nous avons pensé qu'il était bon d'impliquer les pays dans le comité de pilotage. Ils étaient membres, mais les conditions de COVID font que nous avions quelques réunions virtuelles et ce comité de pilotage, cette session, est la première au cours de laquelle nous avons avec nous les pays bénéficiaires et nous avons également les équipes de projet. Les représentants des pays pouvant ainsi nous dire ou nous orienter pour nous mettre sur la bonne voie afin que nos activités soient conformes aux politiques nationales, répondre à leurs besoins, mais également adopter, approuver les documents produits par le projet en s'assurant que les documents, en tout cas, sont conformes aux attentes, aux résultats qui étaient définis au préalable. Je suis tout à fait donc honoré de être physiquement avec vous, mais des contraintes administratives de dernière heure n'ont pas permis le déplacement sur Lomé. Mais qu'à cela, avec la technologie encore, sur les travaux, le temps reste peu. Donc, je ne reviendrai pas sur l'importance et la pertinence du projet. Ma bonne interprétation, nous connaissons tous l'importance des mangroves dans notre vie et pour preuve, on a pris au courant des problèmes qui se sont passés à l'heure et qui ont été extrêmement dramatiques pour certaines populations. Et peut-être une des raisons serait l'absence de mangroves ou bien la dégradation de nos mangroves. Donc, nous devons toujours veiller à ce qu'en tout cas, ce qu'on a comme patrimoine au niveau des forêts soit suffisamment préservé, valorisé, pour que là où l'État est assez satisfaisant, qu'on puisse pour les préserver, et là où on a une dégradation, en tout cas possible, l'effort de restauration, pour qu'en tout cas les populations qui côtoient ces puissent agir le plus possible. Mais également, ce sera bon, une sorte de contribution de la des effets du passé du changement climatique. C'est donc l'occasion pour moi de rappeler que ces enjeux climatiques,
et de biodiversité sont des questions fondamentales et des priorités centrales pour l'Union européenne, qui, je vous le rappelle, s'est fixé l'objectif et se donne les moyens d'être le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050, à travers sa stratégie de croissance sobre en carbone, qu'on appelle le Pacte vert européen. Cela ne vous aura pas échappé, lors de la COP27, l'Union européenne a montré que nous étions un partenaire de premier ordre, aussi bien sur l'augmentation de nos ambitions en termes d'atténuation, sur la finance climatique, avec l'annonce d'1 milliard d'euros supplémentaires pour l'adaptation en Afrique, et sur la question des pertes et dommages. Chers participants, l'objectif principal de la présente session est d'analyser le chemin parcouru, examiner l'état d'exécution du projet, apprécier la mise en œuvre des recommandations, passer et évaluer les résultats obtenus afin de donner des orientations nécessaires pour l'atteinte des objectifs du projet. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers, comme l'ont eu déjà à préciser mes devanciers, notamment l'Union européenne, qui, à travers l'Union internationale pour la conservation de la nature, a permis la mise en place du projet, qui est si cher pour tous nos pays. Tout en réaffirmant mon espoir d'avoir les échanges qui aboutiront à des résultats escomptés, je déclare ouvert l'atelier du comité du pilotage du projet de gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin. Je vous remercie. C'était l'occasion déjà pour tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre du projet de se parler, de mettre en œuvre le plan, de voir le plan de travail pour l'année 2023, de voir où est-ce que nous en sommes sur le plan de l'exécution du projet, quels sont les indicateurs que nous avons atteints et qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs avant la fin du projet. Je dois rappeler que le projet, en principe, devrait finir en juin 2023. Mais du fait de tous les aléas qu'on a vécu dernièrement, notamment la crise Covid, qui a un peu ralenti la mise en œuvre du projet, le bailleur nous a accordé une année supplémentaire et le projet court jusqu'en mai 2024. C'est Lucène qui est lead de ce projet, qui a signé le contrat avec les autres co-demandeurs que sont Wetland International Afrique, Unite Purpose, Eclosio, GRDR et Kinomé qui sont ici présents parmi nous. Donc le projet intervient au Sénégal, ça a été dit, en Guinée, Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Sierra Leone, Ghana, Togo, Bénin. Ce projet a été conçu de telle sorte qu'il puisse comprendre les différentes zones paysagères. C'est-à-dire, on a vu par rapport aux écosystèmes de mangroves, où est-ce qu'on a des différents peuplements des écosystèmes et de travail à ce qu'on ait un projet basé sur des paysages de conservation. Donc là, on a 4 paysages de conservation que sont le Grand Mano, la zone de la Casamance qu'on appelle Rivière du Sud, Monovolta et la zone du Mono, la zone du Grand Mano. Si on en vient au niveau de chaque paysage prioritaire de conservation, PPC, au Sénégal, nous avons la zone de Niomi et la zone du parc national du Delta du Saloum au Sénégal et Niomi en Gambie. En Sierra Leone, c'est-à-dire dans le PPC du Grand Mano, nous avons la Sierra Leone et le Libéria. Les zones cibles sont Yauri Bay, Sherbrooke, Tortoise Islands en Sierra Leone et le lac Pisso au Libéria. Rivière du Sud, nous avons une partie du Sénégal, notamment la Casamance, la Guinée-Bissau, l'archipel des Bijagos et le Rio Cassine et la République de Guinée, principalement dans la zone de Trissau. Et dans le Monovolta, nous avons le Ghana, dans la zone du Lagon Tsongo,
et à l'Onqueta. Au Bénin, la zone du Bouche du Roi. Bouche du Roi est la réserve biosphère du delta du Mono, qui est une réserve qui est partagée entre le Bénin et le Togo. L'objectif global du projet est d'atteindre une protection intégrée de la diversité et des écosystèmes fragiles de mangroves en Afrique de l'Ouest et de résilience renforcée au changement climatique. Donc si nous voyons bien, on a une protection de la mangrove dans cet espace, mais aussi l'aspect changement climatique. Deux aspects. De manière spécifique, il s'agit de renforcer les acteurs de la gestion des aires protégées et des sites de mangroves non protégés. Donc aussi bien les sites protégés qui sont dans les aires protégées et les sites qui sont en dehors, les écosystèmes de mangroves. Ce projet est articulé autour de trois résultats que sont les activités socio-économiques et sectorielles dans ces paysages sont coordonnées de façon intégrée. Les écosystèmes, des systèmes de gestion efficaces des aires protégées sont développés et opérationnels. Les populations riveraines tirent bénéfice durable des aires protégées et sont plus résilientes au changement climatique. Pour le résultat 2, il est articulé autour de 5 activités, notamment soutenir la production et l'actualisation des plans de gestion, c'est-à-dire dans les différents sites qui sont de manière globale, il y a beaucoup d'autres petits sites à l'intérieur dont parfois ils ont des plans en cours ou bien des plans qui ne sont pas en cours de validité qu'il faut mettre à jour. Soutenir les actions de recherche, de suivi dans le domaine écologique, c'est-à-dire que dans ces espaces qu'on puisse faire de la recherche pour voir comment aller dans le sens d'améliorer la résilience des écosystèmes de mangroves, mais aussi des populations qui vivent face au changement climatique. On doit renforcer la capacité de surveillance, surveiller les zones qu'on aura protégées pour qu'il n'y ait pas une pression dans ces zones. On doit aussi créer, étendre et restaurer des aires protégées. Là où il n'y a pas d'aires protégées, qu'on puisse mettre des aires protégées dans les zones qui sont hors pour pouvoir mieux protéger les écosystèmes. Et dans les zones qui sont protégées et qui ont des écosystèmes de mangroves, on doit renforcer, par exemple, cette protection. Mais aussi aller dans le sens d'explorer quelles sont les opportunités qu'on peut avoir en termes de financement pour pouvoir appuyer nos acteurs au niveau local à mieux protéger les écosystèmes de mangroves. 12 recommandations étaient sorties de cette session-là. Le projet a mis en œuvre, a exécuté 10 des 12 recommandations. Alors, la première recommandation était sur une note de fonctionnement qui devait être faite pour être partagée aux partenaires, à tous les acteurs, afin que tout le monde puisse avoir un peu le rôle et la responsabilité, les rôles et les responsabilités qui doivent se jouer. La note a été en effet élaborée, elle a été disséminée. Donc ensuite, l'Union européenne avait demandé que d'impliquer les délégations, d'inviter les délégations de l'Union européenne dans les pays où les activités se mènent. Alors je pense qu'un effort a été fait. Ça n'a pas été fait sur toutes les activités, les petites activités qu'on a. On n'a pas pris la peine de le faire, mais on a eu de gros événements, de grosses activités sur lesquelles nous avons informé les délégations de l'Union européenne des pays concernés, des pays où les activités doivent se mettre en œuvre. Comme il a présenté tout à l'heure, le projet est à la deuxième phase des appels à subvention qu'on a lancé. La première phase nous a permis de lancer 29 appels. Pour la deuxième phase, nous avons essayer d'améliorer la manière dont l'appel a été lancé, notamment dans la communication. Il avait été demandé que nous améliorions notre communication avec les soumissionnaires, ceux qui ont été retenus et ceux aussi qui n'ont pas été retenus, pour rester dans la transparence. Je pense que c'est un processus qui a été fait. On a lancé cet appel et nous sommes restés en contact avec les soumissionnaires, tous les soumissionnaires, ceux qui ont été retenus et ceux aussi qui n'ont pas été retenus, qui avaient des questions, qui voulaient comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été retenus. Alors, également, nous avons également informé l'Union européenne du processus de mise en œuvre de ce deuxième appel-là. C'était une demande qui avait été faite également. Alors, de façon générale, on nous avait dit, bon, il faut améliorer le taux de mise en œuvre, notre capacité d'absorption. Bon, avec quelques cadres d'échange mis en place, nous avons essayé d'améliorer cette mise en œuvre là qui est passée de 14% à la deuxième session du comité de pilotage à 35%. Là, c'est le taux d'exécution financier, 35% en septembre 2022. Donc, bon,
On a mis effectif, hein, on a essayé d'améliorer ce taux d'exécution-là. Je sais que nous savons tous que des efforts doivent être encore menés et que beaucoup de travail reste à faire et que nous sommes sur une bonne dynamique qui va nous permettre justement, avec cette extension qu'on a eue, d'améliorer très rapidement le taux d'exécution du projet. Je ne sais pas si on va faire ça maintenant ou pas, mais en tout cas de revenir un petit peu sur les recommandations de la revue à mi-parcours. Je ne sais pas si c'est prévu peut-être dans une session suivante. Je pense qu'un certain nombre rejoignent les recommandations du comité de pilotage, mais on était rentré un petit peu plus dans le détail. Bon, c'est une suggestion, j'ai pas vraiment de solution de voir comment est-ce qu'on peut le faire de la façon le plus efficace possible, mais en tout cas ça me paraît quand même dommage de laisser en sachant que ça a déjà été discuté, hein, évidemment, mais ça a été discuté plutôt entre partenaires de mise en œuvre, pas forcément avec les représentants des pays concernés. Donc je ne sais pas, ça mériterait peut-être de passer une dizaine de minutes là-dessus si Monsieur le Président et si les participants sont d'accord. Le rapporteur a dit que c'est à l'étude dans le cadre de l'audit de l'évaluation du parcours. Je comprends les complexités budgétaires, mais je voudrais vraiment insister pour que la direction du projet soit comment appuyer les partenaires dans le domaine de la communication. Même si ça doit être une modique somme, je crois que ça permettrait de contribuer auprès du chargé de communication au niveau du ICN pour mieux partager les réalisations du projet dans les autres paysages. Pour la communication, oui, je suis complètement d'accord. Le budget est un peu complexe, comme vous dites, mais cette réallocation-là va nous permettre d'avoir un budget pour la communication au niveau des partenaires à notre niveau. Et en plus de ça, nous avons également au niveau de l'UICN un appui aussi que nous donnons avec notre chargé de communication qui donne cet appui-là à tous les partenaires avec qui nous travaillons. Donc on s'appuie mutuellement dans la communication et dans toutes les activités que les partenaires mettent en œuvre. Nous avions demandé à chaque institution, chaque partenaire de faire des demandes pour le processus de relocation. Peut-être que c'est bien de le capturer à votre niveau, Wetland International, et on pourrait le proposer à l'Union européenne pour validation. Normalement, c'est une possibilité que vous avez de pouvoir proposer quelque chose. Si nous faisons de bonnes choses et elles ne sont pas suffisamment relayées dans la masse, les gens ne sauront pas ce que nous sommes réellement en train de faire. Donc, heureusement que des dispositions sont déjà prises, telles que le coordonnateur nous l'a souligné. Nous ne pouvons que les encourager à aller dans ce sens. On a tous hâte de voir la suite, en fait, en termes de recommandations. Pour avoir aussi été présente l'année dernière au dernier COPIL, il me semble que les recommandations qui ont été présentées et l'avancement de ces recommandations sont assez claires. Maintenant, je pense que ce qui nous intéresse aussi tous, et à mon avis, là où il y aura plus d'échanges, c'est à la suite de l'état d'avancement des activités et surtout les recommandations de la revue à mi-parcours. Oui, en effet, nous avons organisé ce comité de pilotage qui est une instance d'orientation du projet. Ce comité a travaillé pendant toute la journée et des recommandations fortes sont sorties, telles que nous sommes à un an et demi de la fin du projet. Alors, il faut commencer à sortir une stratégie, avoir une stratégie de sortie dans laquelle nous devons faire capitaliser les résultats du projet, capitaliser les leçons apprises, les pratiques, les bonnes pratiques, et pouvoir les partager, les disséminer à tous les acteurs. Donc, une des fortes recommandations était d'avoir une stratégie de capitalisation, un plan de capitalisation qui va nous permettre de ressortir tout ce qui a les impacts du projet, les leçons apprises et les bonnes pratiques et pouvoir les partager. Une deuxième recommandation qui est sortie, c'est que le projet prévoit des audits. Et le comité a demandé que ces audits-là puissent être lancés à temps et le plus rapidement possible afin que d'ici la fin 2023, que nous ayons les rapports d'audit déjà disponibles. Donc, et
Enfin, le comité a aussi félicité toute l'équipe du projet. Le comité a aussi demandé à ce que on améliore l'efficacité du travail, on améliore l'efficience du travail, qu'on puisse améliorer le taux d'exécution d'ici la fin du projet. Alors, améliorer la planification opérationnelle des activités. Alors, il y a plusieurs recommandations qui tournent autour justement de l'amélioration de la planification, de la coordination, voilà. Alors, pour cette amélioration, nous avons les cadres de rencontre que nous avons mis en place, c'est-à-dire les ateliers de planification annuels, les rencontres de coordination technique pour discuter sur le projet, les rencontres entre financiers, les rencontres en charge de surévaluation. Ces cadres d'échange-là nous ont permis justement d'améliorer la planification opérationnelle des activités. Alors ensuite, améliorer la coordination autant au niveau de l'unité de gestion pour une meilleure animation du dispositif régional. Alors, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que ça fait partie des recommandations qui ont des recommandations qui sont ensemble en fait, c'est-à-dire les réunions de coordination, les rencontres, les cadres d'échange que nous avons mis en place nous ont permis justement de renforcer cette coordination-là. Alors, le backstopping, il fallait aussi renforcer le backstopping de l'UICN au profit des partenaires, c'est-à-dire notre appui au profit des partenaires. Il y a eu des appuis spécifiques déjà à certains partenaires, mais des efforts sont à mener encore. Il est prévu dans les mois à venir d'autres appuis en matière de surévaluation, de rapportage, de rapportage financier aux partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc ce n'est pas encore mis en œuvre, c'est en cours. Par rapport à cette question de financement, d'opportunité de financement, je crois que c'est une question assez importante. Et comme Paul l'a déjà souligné, il nous faut vraiment réfléchir là-dessus pour trouver la meilleure façon pour pouvoir en sortir avec quelque chose de vraiment profitable à nous tous, quoi, aux partenaires aussi, à nous tous. Et as a steering committee chairman, we are playing a major role to guide the project. For example, the project was about to procure a solar smoke oven. One of our committee members in the steering committee advised that we should not do it. We should get a model that is quite adaptable to Sierra Leone. So that is the role we are playing. So I thank the project for coming to Sierra Leone. You have done extremely well for our country. Quand on parle création des aires protégées, vous en avez parlé, il y a une dimension de conservation, une dimension économique, mais aussi une dimension politique. Donc en fait, on est obligé de travailler à des échelles politiques, d'avoir des accords de gouvernance. Donc déjà, en deux ans, on n'a pas toujours aussi les moyens ni le temps en fait, d'arriver à tout ce processus complet. Et le fait de passer par un small grant, par un fonds de subvention, ça a parfois créé un décalage entre les cibles, donc les gestionnaires d'aires protégées qui ne comprenaient pas pourquoi ils devaient passer par un appel à subvention pour recevoir du budget et réaliser cette activité. Et parfois, quand ils l'ont fait, il y avait des décalages aussi avec les critères de formulation de dossiers, de cadrologiques, d'indicateurs, des choses en fait auxquelles ils n'étaient pas forcément habitués, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de passer par des fonds de subvention pour pouvoir financer des aires protégées. Donc on a été confrontés en réalité à des réticences de ces acteurs-là à vouloir partir avec nous sur ces dimensions-là, sur des limites budgétaires aussi autour de ces activités qui étaient une contribution à, mais ce qui ne nous a pas permis d'aller au bout de ce qu'une création d'aires protégées. Et donc du coup, parfois, sur ces activités de fonds de subvention, c'était plutôt des ONG ou des associations locales qui ont porté ces projets. Alors, très intéressant aussi, hein, ça reste des dynamiques hyper passionnantes, mais il y a un décalage finalement entre la cible de ce fonds de subvention et finalement la réalité terrain, donc, à travers ce processus. En fait, les ONG en question font partie de l'État aussi. Les collectivités locales et les associations et les populations font partie de l'État. L'État qui crée des aires protégées tout seul, il n'y aura jamais une aire marine protégée parce que l'État n'aura pas les moyens d'en assurer la surveillance. Les ONG et les communautés fonds sont les acteurs, les partenaires avec lesquels l'État doit travailler, sinon il ne peut pas faire. Le décret, mais après, quelqu'un doit appliquer, quelqu'un doit suivre. Ensuite, les ONG en question, ce sont des personnes issues de l'État qui ont une expertise que souvent beaucoup n'ont pas. C'est sur la base de leur expertise, faisant partie également de la communauté nationale et internationale,
qu'ils viennent sensibiliser, influencer, informer les États sur la nécessité, les priorités et l'importance d'avoir des aires marines protégées. We have a situation in Sierra Leone where we wanted to do two management plans because we have two landscapes. We have the Yoribi and the Shabu River. So because we realized that the Shabu River already have a management plan that was done in 2020. It was done in 2020. So there was no need to go and do another management plan for Shabu River. So we needed to have another area that is not that's adjacent to these two protected areas. And we find one, that is the Lake Mapi and the Mabesi. We wanted to do a management plan for Lake Mapi and Mabesi, but it is not gazetted. It's a high biodiversity value place, but it's not gazetted. So what we have done is we have engaged ourselves with the National Protected Area Authority as the agencies that is responsible for gazetting these areas. So we are in discussion with them. And here we are not getting funds from the grants because we are not using the grant now. We are trying to use a fund from the main activities, like what we the implementing partner can expand. So that's what we are going to do. Au Sénégal, quand on parle d'écosystème de mangrove, on passe automatiquement aux aires marines communautaires protégées. Ils sont devenus aujourd'hui les terres fertiles vraiment en matière de conservation des écosystèmes de mangrove. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que la DAMP soit le lead de cette stratégie que nous sommes en train d'élaborer avec le PAPBIO à travers le webland international qui est la stratégie régionale de conservation des écosystèmes de mangrove, qui aujourd'hui constitue une première stratégie pour ce genre au Sénégal. C'est la première fois que le Sénégal se dote de stratégie de conservation des écosystèmes de mangrove et c'est grâce à cet accompagnement de PAPBIO que nous sommes parvenus à ce résultat. Vraiment, nous vous remercions, nous vous félicitons. Vous nous avez présenté pas mal de résultats pertinents. En tout cas, la DAMP, vraiment, loue tout cet appui, donc à travers toutes ces petites subventions que vous êtes en train de nous accorder. L'idée, c'était de se parler, de voir où est-ce que nous en sommes, et puis de dégager les perspectives pour l'année à venir, et aussi donner des recommandations pour optimiser la mise en œuvre du projet de façon efficiente. I think that even though workshops, having workshops is a good idea, I think one effective way would be to charge the country teams in their regular activities on the ground, all the project activities that are being implemented. It really helps to start capturing this information as you go along, rather than waiting, you know, for a workshop that you want to use to consolidate. So perhaps maybe to my team, my colleague, the project coordinator, Paul and the team, it will be good to come up with some kind of simple templates that we can share with the country teams so that as they are implementing activities on the ground with the stakeholders on the ground, they start to already collect this information. They start to harvest it activity by activity. Because sometimes you go to the field, something very important, you notice it, and you might lose sight of it because you're waiting for some kind of dedicated workshop. But you see some of these things come up in your everyday implementation. So if there is a template and the team members and the countries understand the kind of information that they should be looking out for, it really helps. Then the project team at the regional level will just consolidate this as we move along. It makes it a lot easier so that at the end of the project, you don't have to now try and consolidate so many things that may have been lost because we missed out on the opportunities as we're moving along. So I think we need to do it as a process. And once in a while, yes, having a workshop to consolidate is good. But I don't think focusing on a workshop is really the way to go. To be able to get all the information, the rich information that we need, it has to be a process. So we capture it as we move along with the stakeholders. Cet atelier que nous avons réalisé, que nous avons déjà fait par exemple dans le Monovolta, est l'occasion avec vous de partager
les outils de collecte et d'analyse des informations. Il y a les fiches de bonnes pratiques qu'il faut peut-être disséminer au niveau des porteurs de projets. Quand ils identifient une bonne pratique, comment documenter la fiche de bonnes pratiques et après comment l'analyser pour en fait sortir la bonne pratique en question, les éléments de performance et puis les conditions de réplicabilité dans d'autres, par exemple dans d'autres conditions. Tout ce qui se discute maintenant est très intéressant et histoire de pouvoir progresser de façon concrète. Comme dans le premier trimestre de 2023, on aura sûrement une réunion de coordination. Ce serait bien si Frédéric et Barra pouvaient venir avec une stratégie justement de capitalisation, parce que Barra, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se font. Je n'ai pas l'impression que tous les partenaires sont au même niveau de connaissance. Et donc, ce serait bien de voir comment est-ce qu'on peut vraiment capitaliser. Oui, effectivement, il y a 49 subventions qui vont être mises en place. Capitaliser, partager avec les partenaires. Donc, si vous pouviez avoir un papier qu'on peut discuter à la prochaine réunion en mars, février-mars. Merci. Ce que je demanderais juste, c'est dans le cadre du rapportage, par paysage, faites en sorte à ressortir s'il y a des difficultés dans un pays spécifique, de le souligner, pour permettre aux représentants du pays, au comité de pilotage ou le pays en tant lui-même, de pouvoir aider parce qu'il y a des situations où on a besoin de l'appui institutionnel, politique du pays pour la mise en œuvre du projet. Les objectifs qu'on visait étaient de venir montrer, présenter les résultats du projet, présenter les recommandations du comité de pilotage passé, présenter le programme de PTBA pour l'année 2022, c'est-à-dire octobre 2022 à décembre 2023, et vraiment demander des conseils au comité pour réorienter le projet dans sa mise en œuvre. Pour ce qui est du premier résultat, il y a 4 activités qui sont prévues dans ce projet, notamment le fait de réaliser des diagnostics perspectifs de la situation environnementale qui permet en fait de faire l'état des lieux de l'environnement de la mangrove dans chaque paysage prioritaire de conservation, la création de 4 plateformes d'échange transfrontalière, COPPC, qui permettent aux acteurs au niveau de chaque paysage de pouvoir échanger et de voir quels sont les défis en matière de conservation au sein du paysage, produire des plans d'aménagement de ces paysages prioritaires de conservation, mais aussi favoriser des échanges scientifiques, techniques, éducatifs et culturels dans ces paysages. Donc c'est ça un peu ce qui résume les différentes activités de ce projet. Donc de manière ramassée, voici le projet tel que détaillé. Je sais que peut-être que beaucoup de gens n'ont pas vu le projet et qui n'ont pas peut-être une bonne vision. On se met à votre disposition pour... Voilà. Bon, la suite, c'est d'organiser la prochaine session du comité de pilotage. Nous pensons déjà à l'organiser en Guinée-Bissau, mais rien n'est encore fixé. Ensuite, préparer la phase d'extension qui va commencer à partir de juin 2023. Et comme tout projet, préparer progressivement la clôture parce qu'un projet est appelé à naître et à arriver à terme. Mais le partenariat que nous avons développé, les synergies que nous avons développées et toutes les connaissances ainsi que les outils qui ont été produits par le projet permettront très certainement, je dois même dire sûrement, l'élaboration et la conception de nouveaux programmes à soumettre soit à l'Union européenne, soit à d'autres partenaires, mais la dynamique devra être poursuivie et nous travaillons déjà sur cela. À la suite de ce comité de pilotage, nous allons retravailler sur les recommandations, les adapter, les envoyer aux membres pour qu'ils valident, mais ça nous permet d'aller de l'avant, c'est-à-dire là où nous sommes. Nous avons atteint une certaine vitesse. Nous allons maintenant aller dans le sens de mettre en œuvre tous les projets que sont les projets de subvention, mais aussi les projets qui sont de la responsabilité des différents partenaires que sont UICN, Wetland International, United Purpose, GRDR, Eclosio et Kinomé. Bon, la suite, c'est déjà que dans les prochains jours ou mois, nous allons avoir l'atelier de planification du Pape Bio pour l'année 2023. Et nous, acteurs de mise en œuvre, donc l'UICN et ses partenaires, nous allons nous asseoir pour, de façon concrète, voir quelles sont les actions que nous allons mettre en œuvre à notre niveau.
mais aussi voir quel appui nous allons apporter au pays au vu des recommandations qui sont sorties du pays du comité de pilotage. Ça c'est d'un. Deuxièmement, dans les prochains jours ou semaines, il y aura la signature des deuxièmes subventions et ce sera l'occasion aujourd'hui d'aller suivre ces bénéficiaires, de voir sur quoi ils travaillent, de voir les orientations qu'on devrait leur apporter et éventuellement voir pouvoir capitaliser sur tout ce que nous avons fait depuis 4 ans. On est assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on est sur le point financier, qu'aujourd'hui, ça ne reflète pas la réalité, mais que ça peut être alarmant si on ne tient pas compte de tout ce qu'on a présenté au préalable. Donc, je pense que d'un point de vue qualité, on est quand même assez optimiste par rapport à tout ce qu'on a présenté jusqu'à présent. Je pense qu'alourdir les processus ou les instances de gouvernance du projet, c'est peut-être pas la meilleure des solutions aujourd'hui, puisqu'on veut justement être dans cette accélération. On veut aussi mettre en œuvre les activités, être aussi surtout plus près du suivi des projets, c'est ça qui nous intéresse, de l'impact des activités. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'on l'a mentionné aussi ce matin, on est dans une vitesse de croisière qui est quand même bien maintenant. Oui, il y a eu ce passage aussi des co-demandeurs au sein du collectif Saint-Delta qui ont aussi peut-être alourdi des choses. C'est-à-dire, on a plein, il y a aussi le processus de l'UCN qui n'est pas non plus toujours très simple. Enfin, voilà, on a des fonctionnements, on a des choses très différentes les uns les autres, mais je pense qu'en termes de coordination, maintenant, on a aussi vraiment des échanges très fluides. Donc, pourquoi je précise ça? C'est juste pour dire que dans notre approche, on va donc continuer les activités à l'échelle des plateformes nationales, tout en organisant des rencontres transfrontalières. Mais on mise d'abord là-dessus, et c'est comme ça qu'en fait, on a prévu en fait les dépenses sur cette activité. Moi, je voudrais tout simplement, au nom de l'UICN et du collectif, notez qu'à chaque fois que je parle honnêtement, c'est au nom de l'UICN et du collectif, parce que nous sommes ensemble. C'est ensemble que nous assistons nos partenaires, nos pays, à la mise en œuvre du projet. Donc, à votre nom, je voudrais remercier d'abord lui et moi. M. Kane s'est mobilisé toute la journée, malgré les quelques petits problèmes de connexion qu'il avait. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne ou pas, sinon il va dire un mot. Remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, remercier encore nos partenaires pour la mobilisation et souhaiter à ce que les retards que nous avons enregistrés, qu'on les dépasse, que les audits que nous avons engagés, qu'on en fasse un peu plus vite, avec beaucoup plus de diligence, beaucoup plus de rapidité, et que le taux de mise en œuvre du projet, qu'on le relève le maximum possible. Ça, c'est vraiment quelques messages que je voudrais demander à ce que nous tous, on rentre avec. Merci à l'Union européenne pour l'appui, merci pour le déplacement, merci à lui et moi qui est en fait le grand bénéficiaire du programme PAPBIO et qui nous a fait confiance, et merci au pays. Insister sur le fait que pour les prochaines fois, mobiliser davantage et insistons toujours sur la mobilisation des pays. Le président a raison et quand quelque chose ne va pas dans un pays ou quelque chose va bien dans un pays, d'en informer les autorités. Félicitations vraiment à l'équipe de coordination et l'UICN et tous les co-demandeurs pour le travail important qui est fait malgré des difficultés qu'on a rencontrées. Mais je crois que la dynamique, elle est lancée. Président, nous allons la renforcer. Nonobstant cela, et je crois que ce sera à l'intérêt et de nos populations et des écosystèmes de mangrove. Et comme je l'ai dit ce matin, nous sommes tous conscients de l'importance de cet écosystème dans nos économies de manière générale. Et donc, nous gagnerions en tout cas à accompagner les populations pour une meilleure résilience. Donc, sur ce, je vous remercie vraiment de nous avoir associés à cela et je ferai le point, en tout cas, au niveau des autorités en attendant de recevoir le rapport qui sanctionne nos travaux. Merci infiniment et bon retour à certains d'entre vous et dans l'espoir de nous revoir très prochainement. Merci à l'UICN et à tous les co-bénéficiaires et donc à tous les partenaires de mise en œuvre. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Je pense que aussi la qualité du comité de pilotage reflète quand même un très bon niveau de mise en œuvre des activités en 2022. Donc M. Kane disait que 2023, ce serait la vitesse de croisière. Moi, je pense que la vitesse de croisière, c'était en 2022. Et qu'en 2023, on peut peut-être pousser le moteur un peu, parce qu'une vitesse de croisière et un petit côté aussi
Ronan, donc peut-être on passe le turbo en 2023 et on aura vraiment atteint les résultats, j'espère, d'ici la fin du projet. Vraiment, merci à tous et bonne soirée et à demain. Pour les bénéficiaires du programme PAPBio, ce comité de pilotage est un moment d'encouragement parce que ces bénéficiaires que nous avons rencontrés aujourd'hui ont compris l'intérêt de travailler en harmonie avec l'UICN ici au Togo. C'est-à-dire, ils ont vu que le bailleur évolue, il a observé de lui-même ce qui est fait et qu'il est satisfait. Donc ceci encourage les communautés à travailler davantage et aussi à œuvrer encore plus dans la préservation de la biodiversité et la protection des mangroves en particulier. Ce qu'on retient, c'est que le projet se porte bien. Ce qu'on retient, c'est que le projet avait un énorme retard dû à la pandémie de Covid pendant les deux premières années. Et maintenant, avec les efforts conjugués de l'ensemble des partenaires, la pression qui a été mise sur les épaules de l'équipe de coordination du projet a fait que le principal résultat, c'est que le projet a beaucoup progressé. Le projet a quasiment rattrapé le retard et le projet s'est inscrit dans une phase de croisière, dans une dynamique remarquable et réellement appréciable. Les acteurs du projet sont en voie de réaliser les résultats pour lesquels ils s'étaient engagés. Et l'Union européenne a participé à ce comité de pilotage. C'est le principal bailleur de fonds. Lui et moi, qui est le bénéficiaire au niveau régional, a participé également. Tous les partenaires ont participé. Et je pense qu'au niveau, à la suite des échanges, les dispositions ont été prises et formulées sous forme de recommandations pour corriger et pour rattraper davantage le peu de retard qui reste et pour évoluer vers une stratégie de sortie. Alors, en termes d'attente, c'est vrai qu'au sein du collectif, et particulièrement sur notre paysage, on souhaite vraiment renforcer les synergies avec les autres partenaires de mise en œuvre, mais aussi avec tous les partenaires qui interviennent dans les zones. Et aujourd'hui, je pense qu'on est assez satisfait, en tout cas, des décisions et des recommandations qui ont été prises. On est convaincu qu'on rentre dans une phase très importante, qui est une phase aussi de capitalisation, puisqu'il y a beaucoup de projets aussi qui ont déjà été financés lors du premier appel. Donc c'est important aussi d'avoir une bonne capitalisation pour pouvoir répliquer de futurs projets. Et d'autre part, pour nous, une des synergies très importantes se base en fait sur le festival Mangal. C'est un festival qui va s'organiser à la fin du projet dans notre paysage, le paysage rivière du Sud, et dans lequel on souhaiterait vraiment convier tous les autres co-demandeurs sur un événement final pour taper fort et puis pour pouvoir vraiment partager tous les éléments et tous les résultats du projet. Today, this particular meeting is my first one, the steering committee meeting. So I was really happy to be here, and I think that we have a rich stock of professionals who are really supporting with their experience in steering the affairs of this project. It was really good to hear what the other landscapes are doing and what we, the mono water landscape in Ghana in particular, can also learn from the experiences of the other countries. It was obvious that there's a lot of activities going on. The project is really generating a lot of impact on the ground, but we also recognize that a lot more needs to be done, especially in the coming year, to be able to catch up after the challenges that we had due to COVID stalling some of the activities. But generally, I found it to be very interesting. It was an interesting experience for me to be part of the steering committee for the first time, steering committee meeting for the first time. And it was good to learn also from the other landscapes in the countries. Les acquis, alors on était tous assez en phase pour dire qu'aujourd'hui on a un bon rythme de croisière, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a une bonne coordination dans le projet. D'ailleurs, il y a une évaluation à mi-parcours qui a aussi conforté ce point-là, en nous disant voilà, que le projet est bien piloté. Bien évidemment, il y a toujours des améliorations et des recommandations. Et donc aujourd'hui, on peut dire que la coordination, elle est bien en place, que chaque co-demandeur maîtrise très bien son paysage avec les acteurs qui interviennent, et qu'on peut s'appuyer aussi sur les plateformes nationales et transfrontalières qui sont mises en place dans le cadre du projet. Bah, c'est toujours bien de faire des activités, mais il ne faudrait pas que tout ce que nous avons appris durant la mise en œuvre du projet tombe dans l'oubli. Il faudra maintenant travailler sur la capitalisation, non seulement pour un éventuel, une éventuelle deuxième phase de ce projet, mais
au-delà même de cette deuxième phase, s'il n'y a pas de deuxième phase, mais au moins que les projets futurs qui devraient venir puissent s'appuyer sur les résultats du projet que nous avons pour pouvoir apporter quelque chose qui soit adapté aux attentes des communautés.